Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout et nous allons ouvrir nos Bibles dans notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter ce dernier temps dans l'évangile selon Marc. Nous sommes au chapitre 16. Nous en avons capon à Zomi na Motoba. 15e au 20e verset. Et nous lisons au nom de Jésus. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Laisse que ton onction nous couvre afin que nous puissions transmettre ta parole. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas de toi, qui peut se dresser contre ce service. Nous le repoussons loin de nous au nom de Jésus. Père, viens régner au milieu de nous. Comme enseignant, comme maître. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, dans notre culte de famille, nous sommes arrivés au point où nous parlons des cinq doigts de la foi. Christ a mandaté d'abord les apôtres. Ils ont opéré des miracles. Et il leur dit, allez prêcher la parole. À toute la création. Ceux qui vont accepter, qui vont croire à la parole, qui vont se faire baptiser, seront sauvés. C'est-à-dire, ils auront la vie éternelle. Et tandis que ceux qui ne vont pas accepter la parole, ceux qui vont refuser de croire à l'évangile, seront automatiquement condamnés. Mais voilà l'avantage que je donne à ceux qui vont croire. Ceux qui vont avoir la foi à moi vont opérer ces cinq choses. Vont chasser les démons. Vont imposer les mains malades. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. Ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Et ils vont saisir les serpents. Voilà les cinq doigts de la foi. En d'autres termes, ce sont les œuvres que tout celui qui a la foi doit accomplir. La foi doit opérer. La foi doit se manifester. Tout celui qui prétend avoir la foi en Christ doit opérer ses miracles. C'est un mandat que nous avons reçu. Et nous avions appris le premier doigt. Chasser les démons. Nous avons appris le deuxième. Saisir les serpents. Nous avons appris le troisième. Même s'ils boivent le breuvage mortel, leur fera point de mal. Quant aux serpents, nous avions dit, ce sont des hommes. Ce sont des êtres humains. Et des êtres spirituels. Qui vivent avec nous. Que le diable va utiliser pour nous faire du mal.
pour nous détruire. C'est ainsi que Jésus a dit. Je voyais déjà les ambitions du diable. Je le voyais tomber du ciel comme un éclair. C'est ainsi que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc toutes les forces du mal que les hommes vont utiliser pour nous nuire, que les démons vont utiliser pour nous nuire, nous avons reçu la capacité, l'autorité de la part de Dieu de marcher dessus. C'est ça, saisir les serpents. Si nous buvons le breuvage mortel, le breuvage mortel ici, ce sont des pièges que l'ennemi monte à notre insu contre nous. Pour nous amener à la mort. Breuvage mortel. Donc tout ce que l'ennemi utilise comme projet, comme plan à notre insu pour nous tuer. Nous n'allons pas nous laisser faire. Avec la foi, nous allons détruire tous les pièges de l'ennemi. Et aujourd'hui, nous voyons le quatrième doigt de la foi. Ils imposeraient et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Bien aimé, la maladie, généralement, vient du diable. Mais le corps humain, mis dans certaines conditions, comme nous l'avions dit l'autre jour, qui ne sont pas bonnes, il peut tomber malade. Mais ce genre de maladie, quand on se soumet à un traitement approprié, la maladie quitte. Et ce genre de maladies sont souvent de courte durée et dès qu'on a un traitement médical approprié, vite la maladie disparaît. Mais la plupart des cas, quand des maladies commencent à nous inquiéter, c'est que l'ennemi est derrière. Il faut absolument une prière pour que la guérison s'ensuive. Et pour bien exploiter ce message sur la foi que nous devons exercer par rapport à la maladie, je vais utiliser deux textes dans le Nouveau Testament. D'abord, nous allons lire rapidement Luc 13. Là-bas, nous allons exploiter le verset du verset 10 au 13e et nous sautons pour lire 16. Et après, nous allons utiliser un autre texte dans Matthieu 17. Nous prendrons 15 et 18. Nous lisons Luc 13, 10, 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Lorsque elle l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16, c'est pour éviter que le texte ne soit long. Il y a eu des discussions, les gens qui disaient, « Pourquoi il est venu guérir les gens le jour du sabbat ?» Et Jésus les réprime et dit, au verset 16, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Amen. Amen. Là, c'est le premier texte. Quelqu'un qui a souffert 18 ans. Et la maladie a fait que la colonne vertébrale s'est courbée.
Il ne pouvait plus se redresser. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas s'asseoir comme nous. Il ne pouvait pas travailler. Paralysé comme ça pendant 18 ans. Mais heureusement pour elle, elle se retrouvait au bon moment, à un bon endroit au bon moment. Elle était où? Là où Jésus prêchait la parole. La Bible dit pendant que Jésus prêchait, il a remarqué cette femme-là. Elle dit que la femme ne pouvait pas être redressée pour bien voir Jésus. Elle était et Jésus a vu la souffrance de cette femme. Et la Bible dit qu'il s'est approché. Et lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui a imposé les mains et la femme se redressait. Et directement après, il y a eu un débat dans la synagogue. C'est le jour de sabbat. Pourquoi il vient opérer le miracle? Et Jésus a d'abord commencé à leur dire que vous êtes des hypocrites, vous ici, quand vos bêtes tombent dans le puits le jour du sabbat, vous le faites sortir. Vous le prenez pour aller le faire boire aussi. Mais cette femme, qui est la fille d'Abraham, que le diable tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? À travers la réaction de Jésus, nous voyons que la personne était malade. Et derrière la maladie, il y avait un démon qui la rendait malade. Bien aimé, nous voyons que le démon a travaillé dans la durée. 18 ans. Et la personne était déjà habituée avec cette vie de maladie. Des maladies comme ça, même si vous prenez les traitements, elles ne vont pas céder. Ce sont des maladies qui ne cèdent qu'avec la prière. De foi. Pas n'importe quelle prière, prière de foi. Le deuxième texte, sur Matthieu 17, verset 15 et 18. Nous pouvons lire jusqu'au 21, mais pour raison de temps, nous allons vous expliquer ce qui se passe. Alors Jésus s'est approché de la foule et il y a eu quelqu'un qui est venu de la foule qui s'est mis à genoux et il a dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Yesu apusani liboso ne tuluku na bato. Pena kati ne tuluku yango moto moko abimi pe afuka mi liboso na ya lobi. Yesu yokela ngai ma mwana na ngaza liko bela maladie ndenge pe tongo mingi amibu waka kana kati na mai. L'enfant souffrait cruellement. Mwana zeko nyoko ma mingi. Et son père précise ça au verset 15, il souffre cruellement. Et cela souvent. La Bible dit qu'il a amené auprès des apôtres. Ils ont tenté de faire quelque chose. Ils n'ont pas réussi. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a prié sur le jeune homme. Et le garçon, le fils, est délivré sur le champ. Et je voudrais souligner au verset 18 comment Jésus a parlé dans sa prière. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même.
L'enfant ne pouvait pas guérir aussi longtemps que le démon était en lui. Ce deux textes nous amènent à vous faire comprendre. Là où il y a un démon, la maladie s'impose. Elle devient difficile à déloger. Elle devient grave. Ainsi, naturellement, les maladies dont le diable est derrière font souffrir l'homme et pour qu'elle sorte, le traitement à lui seul ne suffit pas. Il faut une prière pour chasser la maladie. Et je vais vous aider avec quelques signes par lesquels vous pouvez comprendre que cette maladie n'est plus seulement une maladie qui se traite avec le médicament. Maintenant, il y a un démon. Il faut qu'on utilise la foi pour déloger le démon et déloger la maladie. Nako sunga yo na zela mwa bilembo. Oso sola ete bokono ya lolenge oyo ezali susuka kaya minganga te ka sesengel ko bengana nde ba démon o baza sima. Premier signe qui caractérise ce maladie derrière lesquels se cache le démon, ce et sont des maladies héréditaires. Et les moyens de bosser, c'est qu'on t'a dit que si ma bokono, ma démon, ma zassima, et sa bokono, et son kidana, la baboti kinoban. Ça devient une identité de la famille. Et comment le lenga libodia? Où tout le monde souffre de la même maladie. Batono sera belle à kaka bokono. La maladie de notre famille. Bokono, yalibosa. C'est anormal. Et sa malamouté. C'est ce genre de maladie qui nécessite la prière de foi. Et sa bal. Deux, les maladies chroniques qui font d'une personne esclave de médicaments pour toute la vie. Qui empêche à la personne de faire le travail pour sa survie sur la terre. Et des maladies qui paralysent le bon fonctionnement du corps humain avant l'âge de la vieillesse. La personne est paralysée. Le fonctionnement normal est paralysé. Voilà. Ça, ce sont des maladies chroniques. Troisième signe. Les maladies dont le diagnostic est difficile à poser ou s'avère négatif alors que la personne est en train de souffrir. La maladie est là. Tu vas à l'hôpital, on fait tous les examens. Non, tu n'es pas malade. Il prend seulement les calmants, rentre à la maison. Mais là, entre-temps, tu souffres. C'est un signe que l'ennemi est derrière. Et ici, avec l'expérience, je me suis aperçu que quand le démon sont derrière une maladie, il a mouillé même le médecin traitant. Il commet une erreur fatale qui peut amener la personne à la mort alors que la maladie est simple. C'est pourquoi quand il faut amener quelqu'un à l'hôpital, il faut toujours précéder cela par une bonne prière. Que le Saint-Esprit utilise le personnel soignant, l'oriente dans ce qu'il doit poser comme acte médical sur la personne malade. Il faut toujours prier pour que l'Éternel Dieu récupère les médicaments et leur donne la capacité de guérir le malade. De la même manière qu'il avait récupéré la petite pierre de David et l'a orientée sur le front du géant Goliath et l'a renversé, yes. Que Dieu récupère aussi le médicament, yes, que le médecin t'a administré pour accélérer la guérison. Na lolenge mokwa zwa kilo libanga mokie uti na Dawidi
kino na kokweisa ingambe ya Goliath azo apelo lenge moko bakisho esenge kopesa moto apesa yango na lolenge te lobiko ya n'allez pas aveuglement à l'hôpital avant d'y aller prier. Cherchez un homme de Dieu qui prie. Vous-même priez. Que Dieu vous accompagne. Car le médecin va soigner. C'est Dieu qui guérit. Quatrième signe. De maladies derrière lesquelles les démons se cachent, ce sont des maladies périodiques ou saisonnières. Ils ont des périodes précises, à ces périodes-là, ça revient. Soit c'est au début du mois, à la fin de l'année, ainsi de suite. 5. Les maladies qui apparaissent et se déclarent graves seulement quand on a touché à son salaire ou on a une bonne somme d'argent. Et dès qu'on commence le traitement, on dépense tout l'argent et dès que l'argent est terminé, la maladie aussi s'arrête. Cette maladie était venue envoyée par le diable pour la destruction financière, pour détruire le budget de la famille. Sixième signe. Et ces maladies où le diable se cache derrière, ce sont des maladies qui s'accompagnent de la convulsion ou de la perte de mémoire. Personne tombe soit dans l'eau, soit dans le feu, soit la personne perd connaissance. Et nous avons connu certains cas de personnes qui perdent connaissance au volant, ils commettent l'accident et ils meurent. Quelqu'un assis avec les autres, d'un coup, il fait une crise, il perd la connaissance, on l'amène à l'hôpital et puis il est parti. Sept, les maladies qui s'accompagnent des insomnies ou des cauchemars. Pendant que tu dors et que tu es malade, tu commences à avoir des songes qui te font peur. Tu vois des morts, tu vois des cercueils, des monstres qui te pourchassent, des animaux sauvages. C'est un signe que le diable est derrière. Et un autre signe est le dernier pour aujourd'hui. Une maladie qui fait la ronde de la maison. Il fait la ronde de la famille. Vous pouvez être ici à Kinshasa, d'autres membres en province, d'autres à l'étranger. Alors que la maladie n'est pas contagieuse, mais vous apprenez que celui-là en souffle, ce sont des mauvais signes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il est dit que quand on a la foi, on va imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais dans ce domaine-là, il fallait que je vous ouvre l'intelligence pour que vous puissiez comprendre qu'il y a deux maladies derrière lesquels le diable se cache. Il faut alors commencer par le déloger, comme Jésus l'a fait dans Luc 13 et comme il a fait aussi dans Matthieu 17. Il a commencé à chasser les démons, il impose les mains, puis il y a la guérison. Ça, c'est la première catégorie des maladies. Là, il faut commencer par chasser d'abord le démon. Et après, tu viens poser les mains. Il y a une deuxième catégorie. Ce sont les maladies qui ont pour cause
un péché quelconque. Ezali bokono oye routine lisumu moko moto asalaki. Et cela est bien dit dans Jean chapitre 5. Yango lo bami malango na Yohane mokapo na mitano. Jésus a guéri une personne à la piscine de Bethesda. Yesu a bikisi moto na piscine ya Bethesda où il y avait beaucoup de boiteux, beaucoup de malades. Ba beli bazala ki bele qui attendaient que l'ange vienne agiter l'eau. Bazai ko zele témoin ja ko ningisa mai. Jésus va trouver quelqu'un de 38 ans. Yesu a moni moto ya mbula tuku misato na mwana. Il a dit, veux-tu être guéri? Alors besoin pour ça le biko. La personne dit, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Et en fin de compte, Jésus lui dit, prends ton lit, marche. Et la personne a pris le lit. Il est parti. Sur la route, on lui posait des questions, mais toi, tu ne sais pas que c'est le sabbat, où est-ce que tu vas? Non, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit, marche. Et l'homme est parti. Il a disparu dans la foule. Un jour, beaucoup de jours après, Jésus le rencontre. C'est au verset 14. Il le trouve dans le temple du lit. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il ne lui a pas dit ne pêche pas. Il lui a dit ne pêche plus. Ça veut dire ce que tu avais connu là. C'était à cause d'un péché. Mais heureusement, Dieu t'a guéri. Mais ne continue pas dans cette vie-là de péché. Car ce qui va t'arriver, ça sera plus grave. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines maladies qui nous rongent, qui ont élu domicile dans notre corps, parce qu'il y a un mal qui est là-dedans, un péché duquel on ne veut pas nous séparer. Tu aimes bien cette vie-là. Tu aimes bien ton péché-là. Tu aimes bien ta colère-là. Tu aimes bien ton mensonge-là. Tu aimes bien l'impudicité-là. Tu aimes bien la cigarette, l'alcool et tous ces péchés qui suivent l'âme. Ça va bloquer la guérison. Troisième catégorie de maladies. Des maladies qui sont les conséquences d'une malédiction. Oui, ça fera l'objet de tout un enseignement plus tard. Mais nous pouvons dire en passant. Il y a des personnes qui se sont plongées dans les pratiques occultes, dans la magie, dans la sorcellerie, et qui sont sorties, qui sont venues au Seigneur, mais qui n'ont pas fait une bonne repentance, et les conséquences de tout ce qu'ils ont fait continuent à les suivre. C'est ça qu'on appelle les malédictions. Et l'incolobanini, et ça, la motoni, kotsa, la kindo, kina, kisi, na soloka, aloba, mama, loba, kuna, pe, si, mana, yango, akoma, na ekati, na kristu, kasi, apongwana, na lolenga, mala, mote, yango, ne, ma, bengi, bila, keli, ma, bengi. Il y a aussi des personnes qui sont nées de familles où il y a eu des choses, les parents ont fait des choses, et puis les malédictions sont tombées sur les enfants. Oui, il y a aussi certains péchés, quand on y entre, on y sort avec des malédictions. Par exemple, sortir avec la femme d'autrui, détruire la fille d'autrui et l'abandonner, voler les choses d'autrui et le propriétaire continue à parler, tu vas marcher avec des malédictions. Les gens qui viennent à l'église pour commettre des forfaits à l'église, les pasteurs qui commettent l'impudicité à l'église, les serviteurs de Dieu qui font des désordres, de l'impudicité à l'église, les intercesseurs, les musiciens, les techniciens qui font des
les impulsités à l'église. Ou les gens qui ont des responsabilités à l'église, mais qui mènent une vie de désordre à la cité, mais veulent toucher aux choses sacrées. Et dès que le diable te trouve sur son terrain, te frappe d'une maladie, ça sera compliqué. Et il y a certaines maladies qui viennent de blessures intérieures. C'est-à-dire des personnes qui ont des cœurs chargés avec la haine, avec l'amertume pour des choses qu'on leur a faites. Et où tu as connu le divorce, maintenant tu n'arrives pas à pardonner ce monsieur-là ou cette dame-là. On t'a fait quelque chose qui t'a blessé, tu n'arrives pas à pardonner. Il y a des gens que tu ne supportes pas, il y a des choses dans ton cœur. Un cœur comme ça, il ne peut même pas prier. Les démons peuvent te frapper à tout moment. Dans votre cœur, le Saint-Esprit ne peut même pas y aller. Tu peux chasser les démons depuis le matin. Au nom de Jésus, les démons s'en moquent. Là où il y a les blessures intérieures, c'est là où il y a aussi des maladies psychosomatiques. Là où les maladies qu'on ne traite pas avec des médicaments, là on les traite seulement avec des somnifères. Faire que tu dormes et que tu oublies les choses qu'on t'a faites. Mais quand tu vas te réveiller, avec tes amertumes dans le corps, dans le cœur, ça va te ronger. Ça va mener des maladies. Vous verrez, bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui mange bien n'arrive pas à avoir la santé. Quoi? Parce qu'il est rongé au dedans des choses qu'on lui a faites. Des maladies comme ça, même si vous lui donnez des vitamines, il ne va pas grossir. Le diable s'assied dans le cœur comme ça et commence à lui dire ce qu'il t'a fait là, il ne faut pas lui pardonner. Nous allons faire des enseignements élaborés très bien par rapport aux blessures intérieures. Pour aujourd'hui, nous pensons que ce que nous avions dit peut aider quelqu'un. Pour chasser les démons, et plutôt pour prier pour les malades, nous avons compris qu'il y a des maladies chroniques qui viennent du monde des ténèbres. Vous commencez par chasser les démons et imposer le mais après. Et Jésus l'a fait. Nous devons comprendre aussi qu'il y a des maladies qui viennent de péché. Et faut amener la personne à la repentance. Et demander pardon pour lui. Et Dieu va l'aider. C'est pourquoi il a dit à cet homme de 38 ans qui a été guéri à la piscine de Bethesda. Tu as été guéri. Va. Ne pêche plus. Si tu reviens encore dans ce péché, la situation sera grave. Il y a des péchés qui entraînent des maladies graves dans le monde. Il y a aussi des malédictions. Nous allons faire des enseignements élaborés. Il y a des blessures intérieures. Nous allons faire des enseignements élaborés. Pour aujourd'hui, nous allons prier pour tous nos bien-aimés qui sont malades. Ce que vous devez les délire. On ne peut pas parler de l'évangile sans prier pour les malades. Quand Christ a envoyé les apôtres, il leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Purifiez les lépreux.
guérissaient les malades. Ainsi, partout ils allaient, les démons obéissaient, il y avait la guérison. Que ce soit l'église, que ce soit dans nos maisons, les maladies ne doivent pas habiter avec nous. Là où l'évangile est prêché, le service pour le malade doit être là. On doit prier pour les malades. Seigneur, vous qui êtes en bonne santé, sachez que les malades ont grandement besoin de vos prières. Ils ne peuvent pas se tenir debout. Ils ne peuvent pas manger d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas laisser soulager eux-mêmes. Ils ne peuvent pas laisser laver eux-mêmes. Ils attendent qu'on vienne les prendre. Et si celui qui doit venir le prendre n'est pas là, ils voient déjà sa fin venir. Mais c'est pour des cas comme ça que Christ a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour guérir des gens comme ça. Je suis bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prier pour les malades. Tout passera et la parole de Dieu ne passera jamais. Que notre Dieu bénisse sa parole.